Samy et Julie font des crêpes. Samy et Julie font des crêpes. Les personnages de l'histoire, Samy, Julie. Les enfants, demain c'est la chandeleur. Promis juré, vous aurez des crêpes pour le dîner. Samy et Julie se font un clin d'œil. Ils ont une idée, mais c'est top secret. Alors cette année, vous les voudrez salées ou sucrées vos crêpes ? Demande papa. Comme tu veux, déclarent Samy et Julie dans un grand sourire. « Tiens, c'est curieux, » s'étonne maman. « J'aurais juré que vous répondriez sucré. » Le lendemain après-midi, c'est mercredi, et il est temps que Samy et Julie mettent leur plan à exécution. Cette année, surprise, surprise, ce sont eux qui font les crêpes. Julie attrape le grand livre de cuisine de papa, celui auquel personne n'a le droit de toucher, et elle commence à chercher. « Crêpes, crêpes, j'ai trouvé !» s'exclame-t-elle. « Pâte à crêpes super facile !»« Tu crois qu'on va y arriver ?» l'interroge Samy un peu anxieux. « T'inquiète !» réplique Julie. « Julie et toi, tu sors ce que je te dis !» ordonne Julie en prenant la direction des opérations. « Tu crois qu'il y a du rhum ici ?» demande Samy. « Pas de rhum !» explique Julie. « Le rhum, ce n'est pas pour les enfants. Et il y a écrit « facultatif !» Ça signifie « pas obligatoire !» Dans un grand saladier, Julie commence à verser la farine qu'elle a mesurée dans un verre doseur. Elle a l'habitude, elle a vu faire papa. Casser les œufs, c'est déjà beaucoup plus compliqué. « Laisse-moi les casser, » dit Samy. « Pas question, » répond-elle, « tu n'y parviendras pas. » Mais patatras, le quatrième œuf échappe à Julie et atterrit par terre. « Zut, un de perdu, » s'écrie Samy. « Pas pour tout le monde, Toby a tôt fait de se précipiter. Miam !» « Maintenant, c'est moi qui tourne !» décide Samy grimper sur une chaise pour mieux dominer la situation. « Si tu veux !» lui concède Julie. « Oh là là, c'est super dur ! C'est trop pâteux !» râle Samy. « Tourne plus fort !» dit Julie. « Je tiens le plat !»« Je n'y arrive pas ! Tu vois bien que ça fait une grosse patouille ! Ce n'est plus de la pâte à crêpes ! C'est de la pâte à modeler !» Pas de panique, pas de panique, tente de rassurer Julie. Avec le lait, tout va s'arranger. Et pendant que Samy, toujours perché, commence à verser le lait, Julie tourne de toutes ses forces. Le livre disait super facile. Super facile, mon œil, c'est super difficile, oui. La pâte commence enfin à devenir plus liquide. Hurrah ! S'écrie Julie, ça marche ! On a réussi ! Il ne reste plus qu'à ajouter de l'huile et du sel et le tour sera joué. « Eh mais tu es fou !» s'exclame Julie. « Ils ont écrit 2 petites pincées de sel, pas toute la salière !»« Pas grave !» répond Samy sûr de lui. « Je n'en ai pas mis beaucoup !» Julie trouve malgré tout étrange ces milliers de petites boules qui flottent dans la pâte à crêpes. « Mais comment les faire disparaître » réfléchit-elle. Elle a beau tourner et retourner avec son fouet, rien à faire. Elles réapparaissent sans cesse. Et c'est précisément à ce moment-là que papa arrive. « Surprise !» s'exclament en cœur Samy et Julie. « On a fait la pâte à crêpes !» Papa est ahuri. « Quel chantier !» Et son beau livre qui est tout haché. Mais devant tant d'efforts fournis par ses enfants chéris, papa décide d'être beau joueur. « Eh bien, les enfants, vous m'épatez ! Dire que vous avez fait tout ça tout seul, montrez-moi votre chef-d'œuvre !» « Votre pâte est superbe !» tente de se convaincre papa. « Il y a bien quelques grumeaux, mais je vais arranger ça. » Samy et Julie sont fiers de leur exploit. Cette pâte à crêpes est parfaite. Ils se régalent par avance, mais il faut attendre un peu avant de les faire sauter, parce que la pâte doit toujours reposer. « C'est maman qui va être épatée, » dit papa, finalement ravi du travail de ses apprentis cuisiniers. Passons maintenant aux choses sérieuses, reprend papa. Il est temps de faire cuire ses crêpes. Et le voici qui fait chauffer une poêle, qui met un peu d'huile, surtout pas trop, et c'est parti. Je peux verser la pâte ? Demande Julie. D'accord, mais attention, je ne veux pas que tu te brûles. Papa fait cuire la crêpe d'un côté et hop là, il la fait sauter de l'autre côté. Papa est vraiment champion du monde du lancer de crêpes.
Papa, j'aimerais bien faire sauter la crêpe comme toi. Laisse-moi le faire, une fois, rien qu'une toute petite fois, le supplie Samy. Alors, ensemble, ils font sauter la crêpe. Elle s'envole haut, très haut, trop haut. Et elle atterrit pile sur le museau de Toby. Ah, mais je vois qu'on s'amuse bien dans cette cuisine, dit maman en rentrant. La chandeleur vous met en joie. Ma chérie, tes enfants ont préparé ces crêpes tout seuls. Tu peux les applaudir. J'applaudis, mais j'ai surtout une faim de loup. Maman, à toi l'honneur de goûter la première crêpe, annonce Samy. La deuxième, tu veux dire, n'est-ce pas Toby ? S'exclame Julie. C'est vraiment délicieux, déclare maman qui a du mal à avaler sa bouchée. Cette crêpe est chalée. Samy et Julie sont désespérés. Je te l'avais bien dit, s'écrie Julie. Il fallait mettre deux petites pincées de sel. Petites ! Pardon, bafouille Samy tout penaud. Je vais rajouter un peu de fromage, dit papa. Chouette alors ! Quelle chandeleur inoubliable ! Fin.